salut dans cette nouvelle Yumikim et on se retrouve aujourd'hui les gens pour Super Mario RPG, la suite des aventures Mario, Malo et Geno. Voilà, c'est ça qui est arrivé dans le dernier épisode, en tout cas Geno. Et du coup, on voulait vous montrer un truc parce que j'ai joué un petit peu pour monter quelques niveaux, juste un niveau chaque fois. Pour que ce soit un petit peu plus facile les combats. Une fois que vous avez sauvé la forêt des dalles, donc le labyrinthe, et que vous dormez ici... Yannick! Sauf que si vous partez, il s'en va, donc il faut rester là. Et il y a un petit easter egg, c'est mignon, écoutez. C'est mignon, voilà. C'est trop mignon. Ça sert pas à grand chose, mais c'est trop chou. Il y a aussi d'autres personnages de Nintendo qui sont cachés dans le jeu. Bah, c'est déjà, ça. La Donkey Kong qui est en mode. Ah oui, en mode. Gonk. Et il y a aussi Metroid, donc Samus, qui est normalement en armure dans le château, tu sais, dans la chambre d'amis. Oui, c'est ça. Mais je sais pas à quel moment. Il y en a d'autres trucs, donc on verra bien. Bah, donc, peut-être en tout à cas... une autre auberge. Ouais, en tout cas, merci à tous ceux qui regardent ce petit let's play. Yes une ville, ah, on en fait. Est à Topi. Topini. Du coup, c'est des Topi. Oh, ah, bah oui. Ah, il est trop mignon. Dina est partie jouer avec la mine avec... dans la mine avec Meet, mon petit frère. Ok. Mais une étoile s'est écrasée sur la montagne et maintenant ils sont coincés. Ah, faut aller dans la mine. Alors, tu veux passer. Donc, non, pour l'instant, non. On va juste regarder ici, comme ça on sera au bon endroit. Donc Rosenville, apparemment, la traduction n'est pas top. Il y en a qui connaissent le jeu donc ah oui, en anglais, bah oui. Émulateur ou d'époque. Et du coup, apparemment, c'est pas top parce que normalement, c'est la ville rose. Ah, en fait, il y a des traductions qui sont un peu bizarres. Ah, et du coup, tu vois pas que c'est rose en fait. Enfin, Roseville, tu vois pas que c'est vraiment rose. Ouais, en gros, les noms sont un peu éclatés apparemment. Donc, oh, je sais pas trop. Parce que c'est vrai que nous, on connaissait pas. On connaissait pas du tout le jeu. Vraiment, on découvre le jeu là. Alors, gant, point, ça qui m'intéresse. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme. Ah, il y a gant, coup de poing, cymbale et doigt. Ah, ça, on l'a eu, je crois. Ouais. Ah oui, c'est cymbale, pour plus 30. Malou. Oui. Oui, voilà. Plus 30, c'est mieux. Plus 20, donc à la place du marteau. Ah. Là, il faut surtout prendre ça, c'est un RPG, donc il faut acheter les trucs. Bah, il faut quand même acheter ça, alors. Ah oui, on les a pas 12, hors ouais. pair, ah oui. Et caleçon. Caleçon hors pair, plus 12 de travail, ça doit augmenter 12. Ah non, c'est moins, ah, c'est pour tout le monde. Ah si. C'est bien pour... Ah oui, pour Geno. Pour Geno, ça lui va augmenter tout. Geno, ça augmente tout, ouais. Et du coup, Caprobus, moins 10, tu vois, là, ça te montre, du coup, ça augmenterait... Ça baisserait la défense, ça augmenterait l'attaque. Est-ce que c'est bien qu'on mette tous en... Je sais pas trop. On va rester assez oui, sur vulnérable. Voilà, 40 PF, ça c'est bien aussi. Ah oui, plus de toute façon, plus on va aller loin dans le jeu, c'est un RPG, mieux, hein. Bah oui, plus les objets vont être stylés. Il y a rien à faire ici. Aïe, aïe, aïe. Ils sont trop mignons. Il paraît qu'il dit que c'est là, c'est un RPG, c'est un vieux jeu. Ils te disent d'aller dans la mine. Les PNJ te diront tous, va dans la mine. Voilà, parce qu'il faut qu'on aille avancer l'histoire. C'est ça. Et donc la mine, je pense qu'elle est là. D'ailleurs, j'ai essayé un petit peu sur la OLED, c'est giga propre. Ouais, vraiment. Le jeu est magnifique. Ah, mais c'est Bowser. Bah attends, mais c'est-à-dire qu'on va le recevoir aujourd'hui, le perso. Donc on va aller jusqu'à la troisième étoile. Hein. Bowser, presque tous nos collègues se sont enfuis. Comment, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons l'habitude d'affronter Mario, mais ces nouveaux venus sont vraiment différents et très forts. Taisez-vous. Il n'y a qu'un seul vrai et grand méchant dans cette histoire, et c'est moi, compris? Si Mario apprend que je me suis fait sacher de mon propre chasseau. Là. Chassé de mon propre château, ma réputation sera ruinée. L'heure est grave, il en va de mon image. Allez en route, on va leur montrer qui est le patron. En fait, on le suit. Je pense qu'on le suit et à chaque fois, il va perdre une équipe. Ah oui, et après, il va se retrouver tout seul. Donc, ça veut dire que dans deux boss. Ça serait bizarre d'avoir tout de suite. Hein. Oui. Alors. Les pauvres petits, j'espère qu'ils vont bien. Je sais que ce que tu ressens, mais ça ne sert à rien de rester ici. Tu devrais rentrer pour qu'il y ait quelqu'un à la maison. Ils vont nous creuser le tunnel, non? Oula. C'était bizarre comment elle marchait. On va dire, je serai aussi désemparé qu'elle à sa place, mais que faire de plus? On ne retrouvera jamais les enfants à ce rythme-là. Regarde l'entrée du haut qu'on utilisait autrefois, elle n'a pas l'air bouchée. Ouais. Mais on ne peut plus y accéder. Si seulement on avait les jambes de Mario, il serait là-haut en un rien de temps, lui. C'est alors quand on parle de l'eau? Ah oui, mais c'est Mario! Mario, si tu savais, tu t'en vas prénommer! Tu es au courant de la situation? Oui. Oui. Tu veux bien participer aux recherches? Bien sûr. Merci Mario, tu peux utiliser l'entrée qui se trouve là-haut. Allez, grimpe sur nos épaules. Ah, ils se mettent devant du coup. Ah, c'est mignon. Ah ouais, c'est chou. Franchement, le jeu est trop. Enfin, je sais pas, il est trop bien, l'histoire est mignonne. Ah nouveaux ennemis. Ouais. Magmo. Oh, Bobby! C'est Bobby! Et du coup, je peux faire une attaque entrée aussi si tu veux. Parce qu'en gros, ça se remplit tout le temps. Alors, j'ai découvert ça aussi. Maintenant, il n'y a plus du tout l'attaque. Assist Toads, sauf quand il y en a qui sont dead, je crois. Et en fait, tu peux faire que du trio. Donc, autant le faire et recharge à chaque fois. Du coup, on a la cinématique.
Ah, à chaque fois? Ouais, ah oui, tu peux la passer. Okay. C'est joli, hein? C'est très très beau. 238. Ah, c'est giga fort. Ah ouais. Ah oui, du coup, t'as coup de poing maintenant. Attends, j'ai coup de poing, mais du coup, c'est pas pareil. Ah, c'est... ah, il faut que je les apprenne. Ah, ça sent, ça change tout le rythme. Ah oui, bah oui. Attends. Ah, mais ah oui, mais il est blindé, non, c'est parce qu'il est blindé. On va faire une attaque foudre, je pense que. Ouais. Hein, ok. Sur le feu. C'est nul en fait. Bah, peut-être celui-là. Il l'a vie, hein. Oh, 66. Eh, c'est dur, ouais, mais il est giga fort, mais c'est dur parce qu'en fait, c'est pas comme le marteau. C'est bah, plus oui, rapide. Bah oui, bah donc oui. Donc il faut bah réapprendre oui. le rythme. Oui, bah oui. C'est pas mal parce que je pensais pas que ça serait sur du rythme comme ça, c'est assez drôle pour le coup. Oui, tu pensais que. Bah oui, ouais. Ah, bah y'a un toad. Ah oui? T'as entendu ça? Il y a des objets rares cachés dans les mines. C'est trop propre, hein. Si je les trouve, je pourrais aller les revendre en ville si c'est pas de l'argent facile, ça. Ah bah oui! Tu peux vendre après. Attends, il faut viser ça. Ah mais je sais pas jouer. Ok. Ah non, il est. Ah! Ah non, défense. Bien. Ok. Ok. C'est quoi, c'était nul foudre. Et si je fais plus de PV, ça les shoot. Eh, c'est dur, parce que... Ça, c'est bon, mais du coup, j'arrive pas à le... T'es super fort, là. Ah oui, je suis giga fort, hein. Bah, j'ai acheté des équipements. Ouais, 136. Ouais, okay. Du coup, c'est... D'un coup, c'est sûr que t'es giga fort. Après, bah, du coup, oui, ça explique hein. pas, hein. Non, bah, c'est par rapport... Ah, tu peux aller soit... Ouais. Ah, je peux pas. Ah, oui, ah mais c'est l'entrée qui est cassée. On a fait le tour et c'est l'entrée ah, qui est cassée. Ah, oui, ok. Ça va être encore un navire. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de trésor, sinon ça mettrait. Ouais. Ah, oui, là, okay. Tu peux pas passer du coup. Donc là, c'est mort. Donc encore un petit labyrinthe. J'ai l'impression que c'est toujours un petit labyrinthe. À chaque fois. Ok. Et là. Tout droit. Là, okay. C'est bon. Là. À droite. Ouais, je pense qu'on est pas mal en attaque, donc on va éviter oui, de faire trop oui, de combat oui. aujourd'hui. On va tester quand même les nouveaux monstres. Okay. Là, il y a là, mais c'est bouché. Ah, et ça spawn ah, tellement bouché. Que... C'est pas quand tu vas l'avoir, le feu. Oui, le oui, truc oui, qui oui. va me spawn dessus. Ah. Ah Mario, tu es venu nous aider, c'est super, mais il y a un souci. La galerie est bloquée. Il nous faudrait une bombe pour dégager le passage. Tu saurais où nous trouver ça. Quoi? Bah, faut récupérer la bombe qui est avant. Lui ? Cluster ? Comment on récupère Bobombe ? Je sais pas. Parce que c'est ça, je pense, qu'il faut. Bah ouais. D'ailleurs, j'ai débloqué Super Sou. Du coup, tu vas plus haut. Bah... Ah non, tu... Ah. Dit. Bah ça. Ah. Ah. Ça se trouve ça fait un truc. Quoi? Oh les jolies pièces, prenez-les vite. On va planter le moustachu ici et mettre les voiles. Ah c'était ça qu'il fallait faire. C'était ça qu'il fallait faire. Mario, Croco nous a encore eu. Et il nous a pris nos pièces aussi, rattrapons-le et récupérons notre argent. Donc ça veut dire que c'est un... C'est normal, c'est faut toujours faire ça. Oui mais c'est coincé, il est idiot. Ça va le voir d'un cul-de-sac. Ah mais il va te montrer qu'il va le... Ouais. Ok, c'est lui qui avait les bombes. Bah ouais, je pensais que je le ressors, ça servait à autre chose, moi. Ok. Donc il y a toujours le petit croco avant, il y a un labyrinthe et le croco. Oui. Okay. Ok, on va le trouver. Du coup, là, il a cassé le truc. Il va ouvrir à l'extérieur, je pense. Ah bah, il a ouvert ce qu'on veut passer. Ah oui. Ok, ah. Faut, je pense qu'il faut tous ah, les tu avoir. Ce... Bah oui, c'est des trucs... Une arnaque sont... C'est une arnaque. C'est une arnaque. Bah, attaque normale. Faudrait que tu fasses foudre. Oh la vache, ouais, je crois que c'est sa chance. Ah, il se barre.
Ok, donc je pense que t'as pas besoin de les avoir. Je comprends pas. Les attaques physiques, je les touche pas ? Si, si. Non, les attaques physiques. Il lui va se barrer. Ok, donc je pense que faut vraiment aller voir le crocodile. On n'est pas prêt de t'oublier. Il n'y avait pas de pièce, mais il a fait tomber gélules de fleurs. Ah, c'est bien ça. Non, il faut les faire. Ah oui, tu veux... Ouais, ok. Ouais, ça me redonne tout et ça augmente ouais. Très bien. Ah, il n'y a pas qu'à fleurs, j'ai pas fait non plus. Ah oui, bah oui. Augmente le nombre de 5. Bah, je le ferai quand j'en aurai plus. Faut tous les faire, je pense. Il en avait combien ? Parce qu'il dit il a pas les pièces, on a plus de pièces à cause d'eux, en fait. Oui, je sais, on nous a volé toutes nos pièces. Ouais, il faut juste rester à fond. Je croyais qu'il y avait une limite, mais en fait, non. Raté. Les attaques physiques ne servent à rien. Je viens de le dire et je le refais. Après, c'est facile parce que du coup, ils partent et ils ont un point de vie. Enfin, ils t'attaquent à un point. J'ai pas mal de défense parce qu'on t'a pas beaucoup dessus. Oui, oui. Ouais, c'est bizarre. Je peux lâcher au dernier moment en fait. Je suis pas obligé de lâcher au dernier moment. Ok, c'est bon. Là, ouais, je vais gagner 8 et. Ah non, 15 sur miel. Tu perds rien pour attendre, on est pas prêt à t'oublier, crois-moi. Il n'y a pas de pièce. J'ai eu le fleur. Oh, ah putain, bah très bien. Trop bien. Ok. Ah, je pense qu'il faut tous les faire. Et après, on va retourner. Il y en avait 5, non ? Je sais plus. 4 oh. 5 Je pense qu'il faut en avoir au moins un. Ah non, ah, j'ai trop fait. Ouais, j'ai trop fait. Allez-vous-en tous. Très bien. Ok, merci. D'accord. C'est plus rapide, très oui, bien. Oui, oui, oui. 4 et 10, pas d'objet. Ah, ah yes. Malo, il monte de niveau. Ouais, 48. 30. Ça fait 1 de plus. Ah bah, non, l'autre. Bah, PV. 48 à 54. Bah, oui. Par rapport à ça, on est pas fait oublier, quoi. Il n'y avait pas de pièce, mais il a fait tomber, j'ai eu le fleur. C'est incroyable. Ok. Je tourne en rond là, non ? Ouais, je sais, je sais. Parce qu'il faut que j'aille à un endroit où je suis pas allé, par exemple là. Ah bah, mais tu non, c'est veux. Là bah, si. Si, si. Là, tu vas retrouver les taupes ? Non. Comment ça alors ? Ah, effectivement, c'était ça que j'avais. Et du coup, il est tout seul. Mais je suis fou. Hein. C'est bien qu'il n'y a plus personne avec lui, donc il est tout seul. Bah oui. Ah, fallait se dépêcher peut-être. Fallait se dépêcher. Ah, fallait se grouiller, ok. Fallait se dépêcher, t'as vu ? Oui, oui, oui. Généralement, je me suis levé plus vite et... Maintenant, on est plus fort en plus. Mais lui aussi, je pense. Ah, il lance des bombes. Ouais, pour le coup, ouais. Normal. Foudre, c'était fort. On va peut-être attaquer pour. Ouais, il est mieux, il est mieux. Ouais, ouais. Allez. Croco, donne-nous des bombes. Du coup, ça, c'est un peu le mini-boss en fait. Tu fais un super score là. Tu peux aller à l'infini ? 73 ? Je sais pas. Pour 13 ? Ok. Un combat ! Un pauvre combat ! Ça s'est fait, oui ! On reprend les trucs. Trucs. Ah, c'est plein d'objets en fait. Ah oui, ouais. Ah, bah niveau, Mario.
Niveau combien, 6 du coup? 9, 7. Et du coup, c'est niveau 10, c'est ça? Alors, 15, 16, 44, 45. Ça augmente plus beaucoup, hein. Ah, c'est là, bah, si, la vie. 54 à 58. Ouais. Faut le suivre vite? Je pense, ouais. Vous avez récupéré vos pièces et vous avez aussi ramassé mini bombes. Des mini bombes, c'est bon, on va pouvoir tout exploser avec Mario. Est-ce qu'on peut le faire partout ou c'est juste un objet de quête qui sert qu'une fois? Je pense que c'est qu'un objet de quête, parce que tu vois bien que tout est détruit. Salut, là. Topitop. Tu as trouvé une bombe, on va pouvoir dégager le passage. Ouais, c'est un objet de quête. C'est Bobby. C'est non, un mini Bobby. À partir de là, il suffit de suivre les rails jusqu'au bout pour arriver au fond. Quoi? L'étoile est sûrement au fond, où on va aller y... Ensemble. Non, ne viens pas. Tu as raison, je risque à toi un tir, je compte sur toi pour retrouver les enfants. Oui, oui. Merci beaucoup, Mario, je vais rentrer donner des nouvelles à ma femme. Tchuss. Du coup, il y aura un petit jeu avec des petits wagons. Comme avec la... Oh. Ah oui, tu penses? Quoi? Mais au-dessus, il y avait le gros bombe. Ah oui, c'est... Ok, tu peux passer en dessous? Ah, tu peux passer au-dessus ou en dessous, j'ai l'impression. Oh! Oh! Bah, il est tout seul! Ça va. Boum! Voilà, comme ça on a 100, comme ça en plus on a l'attaque trio. Pour le boss. Sur de vie. Ok. Oh mince! Eh mais... Relou, hein. Il y avait combien dans ce truc, là? Et c'est quoi, là? C'est un point sauvegarde, j'ai vu. Ah, ça me soigne. Oh là, ça me soigne direct. Attends, mais... Mais il va voir le boss direct? Bah non. Si? Bah, je sais pas. Bah si, il y a boss direct, on... peut pas s'arrêter là, hein. Oh, bien. Ah non, c'est... Ah, c'est un mini-boss? Non, il y a l'étoile. Faut que tu le contournes, je pense. Ah, faut que tu le lances des bombes? Faut que tu lui renvoies ses bombes? Ouais, il faut que tu le contournes. Attends, mais c'est le boss? Non. Le célèbre artificier Punchinello vous salue. Punchinello! J'ai entendu parler. Il paraît que j'ai sale caractère, je vous laisse en juger. Je vais vous battre et je deviendrai célèbre. Adieu. Adieu. Eh bien, ok, c'est parti. Bah c'est parti, let's go. Il est énorme, Geno, il est trop bien. Tu veux pas voir son... sa vie? Si, on peut regarder les remarques, ouais. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. 5 fois. Ça fait penser à Mario RPG, à Mario, oui, à Mario. Oui. Oh, 115. Technique mentaliste. Allez, dis 4500. Oh! Petite faiblesse. C'est chic, tout le monde est chic. Dès ça, son. Oui. Quoi? Des monstres? C'est des mini bombes. Ok, voilà, on va se concentrer sur lui, hein. Ouais, ouais. Pourtant, j'ai pas beaucoup joué, j'ai joué 15 minutes, hein. J'ai juste gagné un niveau sur chaque truc. Bah, tu veux 10 fois Geno, et c'est bon. Est-ce que les bobombes, elles vont éclater toutes seules, en fait? Bah, je pense, ouais. Bon, après, à moins que tu fasses foudre, ouais. Hop! Pas mal. Donc, avec Malo, faut que tu te concentres... On a loupé un truc? Ah non. Ah mince. On a loupé un truc peut-être? Pas mal. On va passer au niveau supérieur. C'est-à-dire? Ah, okay. Des gros bombes. Tu devrais garder foudre pour... Ouais. Et... Hop! Hop.
Il est fort, hein, Geno. Il est giga fort, lui. Ouais. Du coup, il a plus foudre. Ah, mais il est fort, le petit Malo, aussi. Il est mieux qu'avant. Hein. Oh, bien. Grrr. Il est pas content. Très bien, vous l'aurez voulu. Méga bobon. Maxi bobon. Je pense que ça va faire mal si je me fais avoir. Ah mince, quel idiot. Ok. Du coup, il a repris de la vie là, pour moi. Ouais, 32. Je sais pas trop. Pas content. Arrive. Pas content. Non mais je rêve, je suis fini. Je voulais vous épargner, mais je n'ai pas le choix. Méga bobombe. Il bluffe, c'est sûr. Méga bobombe. Toi, la boule de mou, on t'a rien demandé. Bah le pauvre. Je ne voulais pas gâcher ça sur vous. Qui sait ce qui pourrait arriver. Méga. Maxi. Non, Maxi avait déjà méga. Dans ce cas, ne gâche rien et rentre chez toi. C'est ça. Stop, j'ai la fierté. Puisque vous insistez. Méga. Ultra méga bombe. Pourquoi ça marche pas là? Ah oh, bah du coup il est éliminé. Mario. Si ce truc explose, on va le sentir passer. Attends, il s'équille tout seul là. Oui, c'est qu'il tout seul, oui. En effet, ça risque de secouer. Il faut sortir d'ici vite. Oh, oh. Ça va exploser! Non! Fin. Nom d'une grenouille, c'était quoi ça? On a gagné cette bataille, c'est le principal. J'espère que nous remporterons aussi les suivantes. Où sont passées Dynamite et l'étoile? Bah, l'étoile est juste au-dessus. Dynamite et l'étoile. Ah! Dynamite! Ah oui! Je crois que ça répond en partie à ma question. Allez Mario, dépêche. Oh, c'est mignon, mais du coup c'était facile. Bah, c'était facile, ouais. Bah ils sont trop mignons. Donc troisième étoile. Bah ils sont trop choux, hein. Bah de ouf, hein. Parce orange, là, on orange, avait dit, ouais. Donc là ça va être violet, après ce serait rose, après rouge et après jaune. Jaune. Bah dernière, jaune, étoile jaune. Allez, nous devons encore retrouver les enfants. Bon, c'est pas fini quand même. Mais ils sont juste là. Oh, Is. Ça bouge pas, j'en ai marre. Bébé taupe. Ah oui, bah c'est Mythe. Du coup, Dina et Mythe. Tu veux pas m'aider? Dis, il faut pousser le vaconnet. Vous voulez dire... Ah, bah ça va être un petit mini-jeu, je pense. Bah peut-être, avant de conduire un wagon. Freiner, sauter, accélérer. Accélérer pour activer un champignon. Ok. Comité de sécurité de Toupini. Une petite balade en wagonnet, ça va être trop bien. Mais c'est trop mignon. Oh! Oula. Ok. Ok. Je charge juste. Ça a l'air assez fluide. Oh là là, ça donne ma tête. Mario Kart! Ouais, c'est ça, c'est Mario Kart. Ah! T'as pas tourné? Ah, c'est pour battre le record, ok. Non, non, faut freiner. Ah oui. Là, faut que tu sautes. Faut faire un bon score pour avoir tout, tu sais. Ah oui. Donc il y a vraiment des mini-jeux, tu vois, d'avoir ouais, un bon score, ça. Il y en a même pas. Non mais c'est vrai, hein. Là t'as quand même des mini-jeux en plus que tu peux faire sûrement en mode performance. Ah tu vas freiner. Ah c'est de dur, ouf, c'est là. Dur. Freiner de ouf. Ok. Oh là. À moins d'une minute, hein. Mais je pense que c'est pas fou. Ouais, bah aussi, c'est pas trop mal quand même. Ah mince.
Ok. Ah non, faut avoir un nombre de pièces. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Quoi? C'est pas fini, c'est pas fini. Ah, ici. Ah oui, oui, oui. Il y a des raccourcis, t'as vu ou pas? Oui, oui, tu peux aller. Je pense que si tu accélères, tu peux aller de l'autre côté. Ah! C'est le titre de la mine! 2 minutes 27. C'est pas fini? Et c'est pas fini! Oh là! Oh, c'est trop beau, hein! Mais c'est trop stylé! Ah, il faut que t'aies assez de champignons. Tu penses? Attends, si t'as pas assez de champignons, tu peux pas faire ça? Oui, t'as plus qu'un champignon, t'en as consommé 4 pour monter. J'ai l'impression, hein, si t'as pas assez de champignons, oui, tu peux faire là-bas. J'espère que les enfants vont bien, j'aimerais vite les revoir. Il va éclater le plafond, il va se retrouver dedans. Ne t'inquiète pas, ma topinette. J'ai demandé à son aide à Mario et je suis sûre qu'il les ramènera aussi vite que possible. J'ai un drôle de pressentiment, comme si les enfants allaient nous tomber dessus d'un coup. Tu vas éclater de toi. Ne va pas imaginer n'importe quoi, ils vont rentrer très normalement par la porte. Un peu de patience, voilà. Coucou, c'est nous! Incroyable, ils nous ont vraiment tombé dessus. Vous n'êtes pas blessés, mes chéris? Tout va bien, mon petit mythe. T'inquiète, maman, on va bien, pas vrai, mythe, même si... même qu'on s'est bien amusé. Maman, papa? Oh, mon pauvre petit topinounet. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il est trop chou, là, dans son petit truc derrière. Combien de fois je t'ai dit de ne pas t'aventurer dans la mine comme ça? Allons, allons, n'en rajoutons pas, ils sont de retour, c'est le principal. D'ailleurs, avec tout ça, nous n'avons pas même remercié Mario, bah oui. Merci Mario. Mais c'est vrai, merci Mario, merci pour tout. Enfin, merci d'avoir amené nos deux petits chéris sains et saufs. Bah parfait. Vous avez trouvé Dina, Mythe et un fragment d'étoile. Mais où a bien pu passer Peach? Mais oui, où est Peach? Mais où est Peach? Du coup, faut continuer. Reviens, petit scarabée. Tu veux pas aller chez ton tonton Booster? Tonton Booster? Booster Pokémon? Reviens, on veut juste s'amuser un peu. On s'occupera bien de toi. Comme ils ont dit, t'as entendu scarabée? Mais Snifter, c'est... Hein? Ah, mais c'est, ah, mais c'est des mascottes. Bah oui, mais oui. Non, c'est des gentils. Ah, c'est des masques à gentils? Je crois. Mais les masques sont gentils mais aussi. Mais j'ai petit scarabée. Patouche, ce scarabée est un cadeau pour Booster. C'est qui Booster? Rends-le exactement, alors rends-le sans faire d'histoire. Mais ouais, comme ils ont dit, sinon on te cause plus. Booster aime beaucoup, mais alors beaucoup les scarabées, seulement il n'a pas le temps d'en attraper. Exactement, il est trop occupé à s'occuper de la princesse qui est tombée du ciel. Ah, du coup, on attrape les scarabées comme lui. Pour lui. Pour lui. Alors, rends-le nous. Exactement. Ouais, s'il te plaît. Zut et rezut, il se fait la malle. Ça me fait penser au même. Avec tes potes et tes amis. Ah oui. Il faut vite le rattraper. Ouais. Mais allez, le scarabée. Du coup, faut qu'on aille le chercher. Ah, mais il est trop mignon, lui. Bah oui. Oh, c'est trop mignon derrière, c'est joli. Donc je pense que c'est bon, je pense qu'on est bon là. Il faut partir voir Booster. Bah, je pense que ça part vers la gauche. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas fait, je crois. On n'a pas fait ça. Crypto tuyau. Ah oui. Donc là, on va là, au drapeau. Alors, bah, je sais pas, non, on est là, j'ai un peu. Ah, il y a un trésor. Oh, ouais, en plus, oui. Ouais, je voulais en attaquer un la dernière fois. Ah, on peut. Là qui tue est Fortichaud, qui ressemble à un artichaut. Je pense que c'est le but. Oh. Mince. Ok. Pauvre Fortichaud. Je pense que ça va être efficace. Ouais, je pense que ça va être pas trop mal. Ouais. C'est moi, c'est plus puissant que... Pas d'effet, non. C'est ça? Oh, il soigne les autres. Quoi? Imbloquable. Ouais, faut tuer lui. Allez. Ah, c'est bon, ouais, un de moins. On va soigner. Non, imbloquable. Comment ça, imbloquable?
Ok, ils ont l'air d'avoir pas mal de vie. Non, c'est bon, un de moins. Ok. Ah, attaque augmentée. Ouais, ça c'est marrant, c'est. Lancer de monstre. Ouais, ils font ça. Ah, il a plus beaucoup de vie, Gino. Ah bon? Gino, il a 9 points de vie. On va le soigner. Merci. Merci. Tu récupères toute ta vie avec le fluid PV? C'est giga fort. Ouais. Pas toute, mais peut-être que comme je suis monté de niveau. Ça explique ou pas? Juste pour savoir. Ah, ah bien. Ah, Gino, il est monté de niveau. Attends, bombe terrifiante? Ah, j'ai eu un truc. Niveau 8. Mais niveau 8, ça refait son niveau 7, non? Gino boost. Attaque augmente utilisée avant la fin pour booster aussi la défense. Ok. Ah, non, le dernier, j'ai l'impression, ouais. Un peu vite cette zone, du coup. Bah ouais. Je ne peux pas où aller. En haut. En haut. Et du coup, tu vas aller à la tour, je pense. Ouais, je suis. Il me disait non, parce qu'il me disait d'aller là, je pouvais aller à la tour. D'ailleurs, un truc avant. Ah, du coup, tu vas à la tour, là. Pardon. Bah, un peu nul cette zone. Mais ça sert à rien, ouais. Ouais. Ah! Bobo! Il a de la chance, ce booster, d'avoir une maison pareille. Mon château me manque. Mon bon vieux château. Avec Peach qui crie de terreur et Mario qui se démène pour la sauver. Okay. Il pleure. Oh. Mario. Nom d'un... Ok. Restons calmes. Il faut qu'on me voit comme ça. Oh tiens, salut, ça va? Non, ça va pas du tout. J'ai l'air ridicule. Il faut que je sois plus sûr de moi. Toi là, qu'est-ce que tu fais ici? Peach attend sûrement d'être secouru dans mon château, et si c'est le cas, il se doit morfondre à l'heure où il est. Oh! Ah ouais! C'est Wario? Mais c'est Wario! Il est trop moche! Booster, c'est Wario? Oh! Peach! Pauvre Peach! Oh! Oh! Ah, c'est Peach. Je crois qu'il a entendu une voix. Non, ce n'est pas possible. Oh! Incroyable, c'est Mario! 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 Avec l'accent. Mario! Voilà. Je suis ici! Je suis ici! Cette voix, c'est Peach. Je croyais qu'elle s'était enfuie, mais elle était juste là. Bon, c'est pas tout, mais je vais pas non plus passer ma vie ici, il est temps que je rentre au château. Dégage, Minus. Le mot de passe? La porte est fermée à clé. Qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre pas? Oh! Oh! Quoi? C'est trop propre, n'empêche. Merci, Bowser. La tête de Malo. Décidément, je suis très fort. Mais... on peut entrer dans la tour maintenant. Quelle puissance, hein, et quelle finesse. Je suis tout à fait ce que vous pensez. Un solide gaillard comme lui ne serait pas de trop dans votre équipe. Bon, d'accord, ça peut rendre service. Le melon. Je vous laisse vous joindre à vous, à mes sbires. Et nous rassez plus tard. Mario et ses amis ont rejoint les sbires de Bowser. En tout cas, ils font comme si. Bowser a rejoint l'équipe. Mais trop bien, il y a Bowser. Vous voulez apprendre à changer les membres de votre équipe? Oui, parce que du coup, ah, je peux pas utiliser. Ah oui. Ah, mais c'est trop triste. Ah, mais Toad. Félicitations, ah, oui. Ton équipe compte maintenant 4 membres. Le souci, c'est que seuls 3 d'entre eux peuvent participer au combat. Pour t'organiser, il suffit d'accéder à la section alliés. Les 3 coéquipiers qui apparaissent de ce côté affronteront les monstres. Pendant ce temps, ce côté-ci, ce sera l'occasion de se reposer. Si tu veux intervertir 2 coéquipiers, il suffit de les sélectionner. Oh, il t'enlève par défaut, il t'enlève. Oui, ouais, c'est oui, pas moi qui choisis. Oui, oui. Oh, mais c'est trop triste. En revanche, toi, Mario, tu es de tous les combats et tu ne peux pas céder ta place. Ok, donc c'est Mario RPG, t'as pas le droit d'enlever Mario. Est-ce que c'était déjà comme ça à l'époque? Je pense que oui. Quand tu enchaînes les actions coordonnées réussies, tu obtiens un bonus allié. Tu changes l'aptitude en trio par rapport à ce que tu as? Bah, je sais pas. Allez, donc Mario augmente la jauge d'action. Malo, l'attaque magique, et Geno, l'attaque et la vitesse. Ouais.
Ce bonus varie en fonction des alliés et fait tant que ceux-ci prennent part au combat. Moi, je pense que Bowser, ça va être défendu. Affronte les monstres avec tes différents compagnons pour voir ce qui se passe. Ah ouais, rafale d'étoiles. Ah oui, à pleuf sur les ennemis. Copa mobile attaque. Oh, mais c'est trop bien! Il y a des attaques spéciales. Ouais, bah laisse Geno et Bowser. Et du coup, défense. Oui. Mais trop bien! Parce que Malo, s'il se repose, il peut récupérer sa vie. Oh, mais faut qu'on fasse ça! Attends, on va voir la cinématique, c'est trop bien! T'as une cinématique pour chaque type d'attaque? Bah, je pense, ouais. Oh, c'est joli! Avec l'effet miroir par terre. Ouais, de ouf. Mais c'est qui se cachait alors? Faut aller en haut. Essayez voir. Ah, c'est des pirates! Elle m'arrange la musique! Tu vois? Ah, c'est des monstres, c'est quand même des monstres. Orbi. Attends. Et Sniffit. C'est ta cause. C'est trop stylé. C'est trop bien. Et du coup, ça touche tout. Ah non, ça ne touche rien. Ça touche au hasard, je pense, non? Ah oui. J'ai pas pu choisir. Mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. Mais c'est trop classe. Ah, il gagne de l'XP! Ah, c'est trop bien! Là, c'est trop bien. Ouais, c'était chaud. Ah? Pourquoi es-tu si pressé, visiteur? Moi, c'est Booster, tu es ici dans ma tour de récréation. En temps normal, ça m'aurait fait plaisir de jouer avec toi et mes chers petits Sniffsters. Mais une jeune dame m'est tombée dessus récemment, figure-toi. Depuis, je passe tout mon temps à essayer de la divertir et je n'ai plus une seconde à mais moi. Mais c'est Wario, non? Bah, un petit peu, ouais. Il y a un faux air de Wario avec le nez rouge. C'est le cousin, de Wario. Donc je ne vais pas pouvoir rester, mais je t'en prie, amuse-toi à tes risques et périls. Pourtant, non, parce qu'il y avait déjà Wario Land sur Game Boy, c'était pas que je pense, non? À quoi que je non? Je sais pas. Si? Oh, je sais pas. Oh, mais c'est comme Donkey Kong, lui. Oui, oui. Il existait. Oh, ils sont, oh, trop, ils sont chauds. Trop chauds! Ils sont en rose. Oh, il y a de la physique! Ouais, oh là là! Incroyable! Ils sont lâchés là, les remasters! Hein. Oh là, regarde, on va mettre des rideaux, ça va bouger! Pourquoi? Vous avez direct sur Ah, parce qu'il y en a un derrière! Ah, il s'était caché derrière! Mais c'est trop bien, les rideaux, il y a de la physique, incroyable! Ah, le moteur de jeu, ils ont fait un truc propre! Hein. Qu'est-ce qui a bien fait faire un bruit pareil? Allez voir du côté du col de Booster! Ah, faut revenir! Quoi? Quoi? Pourquoi t'as perdu une vie? Tu veux le faire une fois? Mais c'est énorme! C'était trop stylé! Visuellement de ouf! Il y avait les effets, le reflet par terre et tout, c'était trop propre! Et des bilballes. Mais c'était trop stylé, pourquoi? Juste comme ça, c'était gratuit! Oh, ah, badabombe! 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 J'ai pas compris la blague. Bah, badaboum! Non, mais je sais. Ah! C'est même ça, ça doit expliquer la loi 2. C'est quoi ce délire là? Ah, c'est juste pour faire perdre du temps là. Oui, c'est exactement ça. Ah. Mais c'est trop stylé! Mais c'est trop stylé! Mais oui! Admirez les portraits des ancêtres de Booster, du plus ancien au plus récent. Ah, oh, c'est un défi, mince. Non, c'est un piège. Oh, ah, ah oui, j'ai no boost. Ah bah oui, j'ai no boost. Ah, je peux booster peu importe. Bah, je vais booster Bowser. Et je peux augmenter sa défense et son attaque. Oh, bah, c'est ce que t'as fait. Pas mal. Ça va être inefficace. Ouais. C'est du métal.
passer du feu. Oh bah il avait que dalle de vie en plus. Oui. Trop fort Bobo. Ouais. Mais du coup vous tous les faire ou non justement? Non c'est un piège, c'est un piège. Alors c'est il faut faire un truc dans un ordre, je pense, non? Tu penses? Non, non, non. Attends. Ouais, faut monter hein. Bah oui, c'est une tour. Oh enfin, un coffre. Ok, ah. Donc c'était des pièges, je pense. Les portraits. Ouais. Trésor caché. C'est incroyablement fort. C'est oufissime. C'est Ah oui, c'est franchement, c'est un remaster de fou ce qu'ils ont fait. Mais alors pourquoi le sortir qu'un jour après Mario Wonder? Ça, c'est un peu la question que tout le monde se pose, je pense. Elle est des potes en Mario, mais est-ce que c'est pas un peu trop? Oh, oh c'est un piège. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Bidule de lave. Mais c'est... giga stylé. Hein. Franchement, sous-côté le jeu. Hein. Ah bah il sera, bah comme Lisa O'Connor. Ouais, oui, ouais, oui, 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 oui. En fait, il y a un blocage sur le fait que ce soit un vieux jeu et. Et après, moi je trouve quand même qu'ils l'ont sorti très tôt par rapport à Wonder. Oui, en fait, c'est trop rapproché. Ils l'ont sorti trop rapproché. Je pense que la clé, elle sert à ouvrir la porte. Je peux pas trop m'avancer, mais. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a là. Ok, on va quand même aller voir ce qu'il y a là. Ouais. Une chaussure de sprint? Chaussure de saut? Ah, tu baisses en attaque magique, par contre tu montes en tout. Bah c'est pour Bowser, non? Non, c'est pour Mario. Si, si. Non? Ah ouais. Bowser, ça augmente la défense, la vitesse. Ah oui, oui, c'est pas mal. Ah, il attaque en premier. Bah vas-y, hein. Tu penses qu'il faut pas mettre sur lui? À la vitesse de Geno, oui, sinon... Ouais, ouais, ouais. Tchou-tchou! Rampapapa, rampapapa, tchou-tchou! C'est mon chemin de fer personnel. Hein? Oh, mais c'est encore toi! Je dois dire que je ne pensais pas que tu arriverais si loin. Bravo! Tiens, puisque tu es là, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Ma pétillante dulcinée, Chris... Sans cesse, Mario au secours, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire par là? Maintenant que j'y pense, je me demande si Mario n'est pas le nom d'un autre type. Et d'ailleurs, tu ne te rappelleras pas Mario, par hasard? Alors, tu essaies de me voler ma fiancée? Tiens, j'ai une surprise pour toi. C'est marrant, pourquoi je suis là? C'est trop injuste! Et dégueulasse! Je crois que je suis triste, mais je sais plus quelle tête on fait dans ces cas-là! Ça me revient, on fait comme ça! C'est marrant, mais c'est marrant, hein. La DA elle est oui, marrante! Ah oui, oui, de ouf! Ouf! C'est beau quoi, c'est. Ah! Ah! Est-ce qu'on s'arrêterait je pas? Je pense qu'on s'arrête là, ouais! Parce que s'il y a un point de sauvegarde et qu'on va arriver en haut de la tour, je pense qu'il y a Peach qui est pas attends, très loin. On va juste aller chercher ça déjà. Ok. Je pense que Peach est pas très loin. Alors on va regarder, on va sauvegarder là. Parce qu'il y a quand même, il y en avait quand même un tout à l'heure aussi, hein, sauvegarde. Ouais, mais là, on arrive à la fin, je pense. C'est les jouets de Peach. Oh c'est Peach en jouet. Ah, avec Samus.
On est en train de redescendre parce qu'en fait, je pense qu'on a pitch après. Oui. On va voir un truc. Donc, ce qu'on va faire, enfin, en tout cas, je sais pas si on a pitch, mais il y a le boss de la zone. Donc, on va faire ça dans la prochaine vidéo. Par contre, on va retourner voir le portrait parce qu'on a juste regardé quand même et le portrait, il y a un truc, donc il faut qu'on aille voir. Et par contre, on vient juste de faire un combat. Et c'est la première fois que ça fait ça. Tentez de doubler votre expérience en vie d'essayer. Ouais, mais il a eu chance parce qu'il a eu chance. En fait, tu crois que t'as eu chance. Où est Yoshi? Bah, à droite. Raté, quitte. Ah, quitte, tu gagnais la même chose. Trop bien, Yoshi. Par contre, c'est un glitch pour XP ici. Hein. Ah oui, ici, c'est un truc de malade. Parce que ça prend 3 secondes. Trop bizarre. On va juste redescendre. Ici, normalement, il y a un petit truc. Admire les portraits des ancêtres du booster du plus ancien au plus récent. Ok, mais comment tu sais que c'est le plus ancien? Du plus ancien au plus récent? Bah, l'ancien, c'est tout à droite. La moustache? Ah, tu penses? Bah non, tu sais pas. Du plus ancien au plus récent, qu'est-ce qui fait que... Du plus ancien au plus récent. Plus ancien? Ah. B, booster. Bah, c'est dans l'ordre? C'est dans l'ordre. Non. Ok, c'est impossible, c'est pas grave, parce que de toute façon on est trop fort. Voilà. Punaise. Donc là c'était bien les deux premiers. Ouais, mais du coup faut recommencer en boucle. Ah ok, d'accord. Ah ok. Donc là, là, après. Celui-là? Ouais. Ok. Mais c'est quoi la logique? Tu vois? Ok, bon, c'est pas grave. Bon, on va faire, hein, de toute façon, c'est rapide. Hop. Et voilà. Et c'est oui, 3 oui, secondes. Oui, oui, oui. Et vraiment. Encore une fois? Il n'y a pas besoin. Bah, il n'y a pas besoin, ouais. Mais je suis malade en plus. Ah, bah tiens. Ah, yes, Malo. Malo. Ouais, est-ce qu'on a du retard? Niveau 8. Niveau 7, alors que les autres sont niveau 8. Ah, il y a même Bowser. Franchement, c'est pas mal, hein, c'est mignon. Bah, le dernier, ouais. Attaque magique. Avec. Du coup. Il faut faire 1, 2. Là. 1. 2, 3, lui, bah reviens en arrière, non? Ok, j'avais une chance sur deux. C'est pas grave. Ok, c'est bon, c'est assez. Bon, bah je pense que c'est bon. Ah, on va avoir l'attaque. Bah, on verra, du coup, on garde ça pour la prochaine vidéo, l'attaque avec Malo. C'est ça. Ah! Niveau 9! Déjà? On est trop fort pour les prochains. Bah, c'est ça. Attaque. Ok, oui, il est trop fort. Alors, du coup, donc là, ça, attends. Ça, là, là, pas là, 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 et là. Je sais pas c'était quoi. Mais oui, la clé pour à gauche. Ouais, mais. Clé des ancêtres. Oh là, il est chelou. Oui, il est chelou, ouais. Il est pas comme les autres. Quoi? Il se regarde dans le blanc des yeux. Tu vois bien qu'il est un peu timide, regarde de l'autre côté, tu veux. Ok, c'est bon. Visiblement, il s'était fait enfermer ici après avoir mordu Bowser. Maintenant, il a les crocs et il veut nous aider à mettre le bazar. Quoi? Vous avez reçu Chomp? Ah! C'est un équipement? Non, je pense que c'est un... Oh ah, oui. C'est l'arme de Bowser! Oh, mais énorme! Heureusement que t'as fait ça! Parce que genre, j'ai vu pour voir en fait à peu près où on était rendu. Et là je vois les panneaux, je vois qu'il fait un truc, je fais bah attends, mais il y a un truc à faire. Et ben on se retrouvera demain pour la suite des aventures de Mario, Super Mario RPG. Donc faut mettre un maximum de pouces de s'abonner à la chaîne. Heureusement qu'on est retourné chercher tout de ouf. Ah ouais, bah c'est un vrai RPG, c'est-à-dire que tu peux louper plein de trucs. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Et tu peux réussir sans. Oui. Voilà. Mais là, aller chercher l'attaque de. Bah trop bien. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Gimmicky. Allez, salut.